fantômes sont des créatures immatérielles. Ils apparaissent aux vivants depuis toujours. On les considère comme des manifestations d'esprits de personnes décédées. Leur nom change selon les époques ou les pays. Spectre, revenant, ectoplasme, poltergeist. Le bon sens voudrait que les histoires de fantômes appartiennent au domaine de la croyance. Pourtant, de nombreuses personnes sont convaincues de l'existence des revenants. Alors, pour en avoir le cœur net et pour tenter de répondre à cette question angoissante, faut-il avoir peur des fantômes ? Nous avons mené notre enquête aux frontières du surnaturel. En ce samedi après-midi, le calme règne sur la place de Marville. L'action se passe à l'abri des regards, derrière ses volets, dans cette maison abandonnée. En fait, tu sais que l'événement suivant va se trouver là. Donc ici, à la rigueur, même si tu es un petit peu vite, fais un petit penché comme ça, comme si tu avais ce petit mouvement. C'est juste ça. Gagne un peu de temps. Voilà. Moteur est demandé. Clip Maria Palatine, scène 6, plan 105, 7e. Ok, on garde celle-là, 7 et 8, je les garde, donc c'est bon. Depuis le week-end, Laurent Kurzmann est à la manœuvre, donnant ses indications et reprenant les scènes jusqu'à ce qu'elles correspondent à son synopsis. Membre fondateur de l'association Studio 2, le Messencéen a longtemps baigné dans le milieu cinématographique et télévisé, au Grand-Duché principalement, avant de se lancer ici dans la réalisation de son premier clip vidéo. Ça a été beaucoup de stress à la préparation, déjà, parce que bon, il y avait à établir le scénario qui était, je veux dire, que je voulais déjà assez élaboré et pouvoir raconter une vraie belle histoire. Donc c'est vrai que ça a été un stress. Ça a été un stress pour moi qui suis pas non plus un professionnel à la base, je veux dire, de ce genre de travail. Et par contre, je savais qu'en face de moi, j'avais une professionnelle. On va chanter le refrain et on reprendra le gros plan avec uniquement la fresque, de façon à ce qu'après on puisse faire un fondu au montage. Oui. Voilà, donc ça c'est Tout le mouvement. Non, c'est uniquement uniquement le petit mouvement ici. Ouais. Voici quelque temps, le jeune réalisateur avait proposé ses services via les réseaux sociaux et les sites de musique. Parmi les candidatures, celle de la chanteuse et harpiste d'origine allemande et installée à Bruxelles, Maria Palatine. J'ai déjà fait d'autres clips, mais c'était plutôt des clips musicaux. Et cette fois, c'est vraiment une petite histoire. Et ça se passe super bien. C'est très professionnel. Et on travaille sur plusieurs plans. C'est super bien organisé. Extrait de son 8e album, Coming from the Black Mountains, raconte l'histoire d'une dame âgée qui cherche à échapper à son quotidien et à reprendre sa liberté par un voyage initiatique vers la mer. La chanson évoque deux périodes de sa vie, la plus récente, tournée dans cette maison, et sa jeunesse. Une partie du clip qui sera filmée le lendemain, ici même, dans l'église de Marville, avec cette fois une bonne vingtaine de figurants. En attendant, chacun ici recherche la bonne pose et la pleine lumière. Je suis un loup en fait dans l'histoire. Je suis la symbolique d'un loup. Et donc j'ai mon petit frère, enfin dans l'histoire, quoi. Pas dans la vie réelle, qui joue avec moi souvent et avec Maria. C'est une première expérience pour vous ? Au niveau du cinéma, oui. En figurant, c'est vraiment une première. C'est parce que j'avais entendu dire à la radio qu'il y avait une société de Messancy où j'habite qui cherchait des figurants et ça a démarré comme ça. Donc je me rasais le matin et puis j'ai laissé un petit mot sur la table pour ma fille pour qu'elle réponde sur le site internet. Et tout a démarré comme ça. Les images seront montées en une double version, clip musical et court-métrage. Après quoi, les membres de l'ASBL Studio 2 se lanceront dans une autre aventure avec la réalisation de mini-séries fantastiques pour la télévision, tournée à nouveau à Marville, puis en Belgique. Deux jours de tournage, de 8h du matin jusque des fois 8h30, 9h, 10h du soir. C'est des attentes très longues. Entre les prises, c'est des figurants qui attendent très longtemps, c'est une chanteuse, une actrice qui va attendre très longtemps. Il y a vraiment un travail, avant que les plateaux s'installent et tout ça, il y a les imprévus, il y a des tas de choses.
on tourne 4 minutes en 2 jours, quoi. Donc on peut s'imaginer qu'au-delà du rêve que tout le monde a en regardant un film, en regardant un clip. J'ai découvert par hasard le Studio 2 à Messancy. C'est une association qui prend de belles initiatives. Laurent Kursman, vous êtes bénévole au sein de cette association. Voûtes et couloirs de la citadelle de Montmédy sont transformés le temps d'un week-end en plateau de tournage. La société belge Studio 2 réalise un clip avec la chanteuse et harpiste Maria Palatine et pour mettre en image une chanson hommage à Aung San Suu Kyi, figure de la lutte contre le régime militaire birman. Le lieu historique du XVIe siècle sert de décor. C'est un endroit qui se prêtait bien à cette chanson, qui est en fait une chanson sur les prisons birmanes. En fait, le lieu était tellement magique et on avait tellement d'endroits possibles et imaginables pour le faire qu'on a choisi Montmédy parce que ça s'appropriait vraiment à 100%. Maria Palatine a composé cette chanson en l'honneur de Aung San Suu Kyi avant sa libération, en 2010. À travers cette vidéo, c'est un nouvel hommage qu'elle souhaite lui rendre. C'est notre engagement de cœur, je pourrais dire, de nous rassembler pour faire ce projet de vidéo, pour renforcer le message de cette chanson que j'ai écrite il y a déjà plusieurs années pour Aung San Suu Kyi, cette politicienne exceptionnelle. Pour que ce tournage existe, les 50 participants, acteurs et techniciens, ont choisi de travailler bénévolement, une manière pour eux de saluer le combat d'une femme exceptionnelle. C'est l'image de la femme qui s'est battue et voilà, elle a été libérée. Du coup, là, nous, on se bat pour les prisonniers. Voilà. On prend la relève. Quoi. C'est pas grave de ne pas être payé aujourd'hui. C'est pas grave du tout. Le clip, une fois le montage achevé, sera diffusé sur Internet en libre accès. L'artiste, qui se rendra à la fin de l'année en Birmanie, espère pouvoir y rencontrer celle à qui il est dédié. Oui, on en parle ce matin avec Laurent Kursman. Bonjour. Bonjour. Bonjour Leïla et Grégory. Alors vous êtes membre et réalisateur à Studio 2 Productions. C'est une structure belge qui a compris que le Luxembourg...